Je m'appelle Martin Stephens, je suis professeur de philosophie ici à Strasbourg en Cagne et je suis aussi plus qu'accessoirement marié et père de 4 enfants. Donc j'ai participé à une table ronde qui posait cette question « La femme est-elle l'avenir de la mission ?» Ce qui m'a touché, c'est une qualité de parole au niveau même de la circulation, du fait qu'on était d'accord et pas sur le d'accord tout en n'étant pas sur la même note, puisque il y avait des femmes, deux femmes qui m'accompagnaient, j'étais l'homme, et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bel accord qui n'embrasse aussi ces dissonances fondamentales que sont par exemple le masculin et le féminin. Ce que je souhaiterais aux congressistes quand ils repartent, c'est de repartir avec cette chaleur-là qui risque de s'estomper quand on retourne. Déjà, on va aller vers l'hiver, mais dans parfois la froideur d'un monde qui s'entoure de protocoles. Et ici, on a été comme soulagé, on a été comme entouré. Il y a une joie palpable et puis assez naturelle, assez spontanée, comme une immense famille, hein, car on connaît tous la même personne et on est tous frères par le Père. Et donc, revenir avec cette chaleur et aussi l'authentifier dans le monde. Pas simplement se dire qu'on l'a reçue, mais qu'elle est sans doute là, alentour, et qu'il suffirait de la réveiller.